Yo tout le monde, c'est TutoPratix. Alors dans ce nouveau tutoriel, je vais vous présenter deux extensions à absolument avoir sur vos navigateurs Firefox et Google Chrome. Donc déjà je vais vous présenter les extensions en question, dont What et Adblock Plus. Donc Adblock Plus, ça va servir à quoi? Ça va servir à bloquer les publicités d'Internet, tout simplement. Et What, je sais pas trop comment ça se dit, et ça va servir à bloquer les sites web malveillants et à vous prévenir si les sites que vous allez cliquer dessus sont malveillants ou pas. Voilà, donc en gros, c'est ça. Donc, commençons de suite. On va aller déjà sur Firefox on va télécharger tout simplement le navigateur What. Donc, pour cela, vous allez dans Outils, donc Module complémentaire. Ici, vous cliquez tout simplement sur Catalogue et là, vous tapez What. Donc là, on va télécharger What. Donc tout simplement, là, vous cliquez sur Installer. Puis, vous ne cliquez pas sur Redémarrer maintenant parce qu'on va télécharger aussi l'extension Adblock Plus. Donc pour cela, on va taper ici Adblock Plus. Je vous mettrai tout ça dans la description de toute façon. Vous cliquez sur Télécharger. Ensuite, quand c'est terminé, là, vous pouvez redémarrer votre navigateur. Notre navigateur est redémarré. Donc là, on va tout simplement aller tout vérifier. Donc déjà, on va taper... je vais taper Torrent pour voir s'il n'y a pas de... Donc là, vous voyez, là, tout est bon. Donc, vous voyez, on voit des petits trucs verts pour dire que les sites ne sont pas malveillants. Là, par contre, je vais copier un lien tout à l'heure que j'ai mis pour aller télécharger un film. Et on va voir un truc. Donc je vais vous montrer. Hop, donc je vais vous mettre ça aussi dans la description si vous voulez le lien. Donc là, vous voyez, on peut voir que ce site-là est malveillant et il ne faut pas y aller. Donc il est orange. Si vraiment c'est dangereux, ce sera rouge, d'accord? Ensuite, on va tout simplement vérifier si Adblock Plus a bien fonctionné. Donc on va écrire YouTube. Donc là, on va y aller pour voir s'il y a une publicité. Donc vous allez voir qu'il va y en avoir une parce que mon Adblock Plus est désactivé. Voilà, donc là, il y a la pub. Donc si vous regardez bien, en bas, tout en bas là, il y a mon Adblock Plus qui est désactivé, donc moi je vais le réactiver. Donc je vais aller dans Module complémentaire, je vais tout simplement aller dans Extension, et là, Options, et là il y a marqué désactiver partout, vous voyez ici, et je vais décocher pour que ce soit activé partout. Donc là, il n'y aura plus du tout de publicité, donc pensez à le décocher. Et ensuite là on va vérifier, donc on va réactualiser la page pour voir si la publicité est bien partie. La publicité est partie, donc vous voyez il y a juste écrit fermer l'annonce, mais l'annonce n'est pas disponible. Donc ça c'est sur tous les sites, il n'y aura aucune publicité, même les fenêtres pop-up, il n'y en a pas. À part sur quelques sites de téléchargement, vous serez obligé de désactiver votre Adblock Plus. Dans certains sites vous n'avez pas le choix de désactiver. Voilà, pour faire des choses. Si vous le désactivez pas, ça ne fonctionnera pas. Donc là, on peut voir aussi qu'ici, il n'y a pas de pub. Voilà. Donc maintenant, on va aller direct sur Google Chrome pour installer ces extensions. Donc là, ça, je vais fermer parce que ça ne m'intéresse pas. Donc là, je vous mettrai le lien de Chrome Web Store dans la description, ne vous en faites pas. Donc là, on va taper What pour installer What. Donc là, on fait simplement gratuit, ajouter, voilà. Donc là, tout nous installe. On va patienter que là ça se charge. Ensuite je clique dessus. Et là vous choisissez votre configuration que vous voulez. Moi je vous conseille de laisser en basique. Là vous entrez des informations. On s'en fout de quoi. Voilà, moi je mets n'importe quoi, absolument n'importe quoi. Bon blablabla n'est pas disponible. Donc je vais mettre autre chose. Voilà, donc là je vais mettre ça. hop. Non, quand même pas. Je vais mettre. Allez, hop. Non, pas live, ça n'a pas fonctionné. Donc, Gmail. Là, mot de passe. On met notre mot de passe. Voilà, je mets n'importe quoi. Là, je crois que ça n'a pas fonctionné parce que j'ai mis plusieurs espaces. À mon avis, ça ne va pas fonctionner. Là, je fais OK. Donc, voilà, ça ne fonctionne pas. Donc, je vais mettre 4V ou 5V. Voilà. Donc, tac. Donc, là, naviguer sans risque, patati. Vous voyez, c'est vraiment très bien cette extension. Et là, Adblock, il est juste ici. Donc, je vais vous mettre tout ça dans la description. Ne vous en faites pas, vous n'aurez pas à chercher. Donc, on installe.
Ensuite, on clique dessus, on clique sur l'installation. Et là, tout simplement, on va patienter un petit peu. Et voilà. Donc, ou non, pas voilà, parce que je suis ici. Donc, non, là, c'est là. Donc là, c'est en train de l'installer. Et là, terminé. Donc voilà. Là, tout simplement, à des blocs plus ou à des blocs. Là, c'est à des blocs pro qui est installé là. Donc, toujours le mettre cette barre au fond, si vous voulez. Moi, je sais même pas ce que ça fait, je sais même pas ce que ça change. C'est peut-être la sensibilité du truc, peut-être. Je sais pas trop pourquoi. Voilà. Bon, là, voilà. Donc, là, ça nous ramène. Donc, là, on va tester tout ça. Donc déjà, je vais aller sur le lien que j'ai mis tout à l'heure. Donc, sur Google Chrome. Et là, vous aurez ça. Vous cliquez tout simplement sur OK, j'ai compris. Et là, quand on clique dessus, on peut voir que ça fonctionne très bien. L'extension Watts. Et maintenant, on va direct vérifier pour les publicités. Donc je mets YouTube parce qu'il n'y a que sur YouTube vérifier, parce que je sais pas trop où vérifier. Donc là on voit qu'il n'y a aucune publicité ici. Donc c'est vraiment le top. Donc maintenant je crois que c'est tout. Donc maintenant c'était tout pour ce tutoriel. Donc je tiens à vous remercier de m'avoir suivi. Je tiens à vous annoncer que ça y est, ma page web est terminée. Voilà, donc allez-y jeter un coup d'œil, n'hésitez pas et dites-moi ce que vous en pensez. Et puis voilà, donc n'hésitez pas à liker cette vidéo, à la partager où vous voulez. Ça vous fera plaisir à vos amis, peut-être qu'ils en ont besoin de faire ça, peut-être de sécuriser leur navigateur et tout. Donc voilà, merci beaucoup pour ces 1700, presque 1700 abonnés. Allez, ciao les gens.